à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais cliquer. Alors, il est 8h30. Je suis très contente, j'ai réussi à me lever bientôt ce matin. J'avais mis le réveil à 5h30, j'ai réussi à me lever vers 5h45 et à attaquer le boulot vers 6h15, 6h30. Enfin, j'ai déjeuné d'abord, j'ai pris mon temps. Le but de me lever très tôt aussi, c'est d'avoir du temps pour moi. Et accrocher, attention. Hop, tiens. Tu dis bonjour. Ça va bien, c'est bon là, t'es trop contente, c'est l'anniversaire de Mona. Et oui. Et oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mona. On va le fêter ce soir. Donc là, du coup, je me suis levée tôt pour pouvoir bosser. Là, je vais même enfiler une tenue pour aller courir. Oui. Mona, elle va arriver. Qui? Mona, elle va arriver. Mona, pas maintenant. On va aller la voir en fin de journée, cet après-midi. Et là, elle a toujours un peu de fièvre. Je vais lui donner. Non, on va. Et là, c'est pas maintenant l'anniversaire de Mona. C'est tout à l'heure. Mais c'est aujourd'hui, là Mona d'abord elle va à la crèche. Et quand elle rentre de la crèche, on fait son anniversaire. Donc je disais, je vais enfiler une tenue pour aller courir. Ma belle-mère va arriver garder là et moi je vais aller courir. Parce que du coup j'ai bien avancé sur mon travail déjà. Ça me permet d'aller courir maintenant, trop bien. Il faut que je fasse ça tout le temps, j'adore. Donc c'est parti. Ça y est, je viens d'arriver à la plage. Je cours sur le bord de mer comme d'hab, toujours au même endroit. Je vais, il fait froid, hein. Il fait 7 degrés là, ça caille un peu. Je vais faire mon petit running. J'ai téléchargé le double album de Best of de je sais pas quoi de Ed Sheeran. Du coup ça va m'accompagner pendant cette petite course. Du coup là ça fait une dizaine de jours que j'ai pas couru avec Paris et tout. Ben forcément j'ai enchaîné Paris plus la gastro. Du coup ben voilà, nickel. Donc 10 jours sans courir, ça va faire... un peu mal je pense, mais bon, ça va me faire du bien surtout. Donc voilà, je suis contente, ça me fait du bien de me réorganiser dans ma vie là. J'ai besoin de ça, je suis tellement happy quand les choses se déroulent comme ça dans ma journée, ça fait vraiment du bien. Bon, je suis de retour à la maison, quelle bonne séance, il faut que je fasse ça vraiment vraiment souvent. Franchement, me lever tôt comme ça et aller courir, nickel. J'ai couru du coup 5 km, bon, le parcours que je fais de base on va dire, et après j'ai fait une séance d'abdos sur la plage toute seule. Oh, le kiff mais total quoi, genre l'hiver la plage t'appartient quoi, trop bien. Bref, là je croyais que mon ordi allait pas s'allumer, j'étais là what. Là je suis montée dans mon bureau, il est maintenant 11h05, je vais emballer mes commandes que je dois emballer aujourd'hui. Je vais pas avoir le temps de monter le vlog, faut que je m'organise, que j'ai une vidéo à tourner. Je pense que pendant la sieste des là je tournerai ma vidéo et je monterai le vlog. Voilà. Et après vu que c'est l'anniversaire de Mona, je peux pas trop bosser en fin de journée, donc là j'essaie de tout faire rapidement. Mais ouais, c'est fou comme ça joue sur le moral. Ben moi quand je cours comme je me sens bien quoi, c'est cool. Bon, on se retrouve bien plus tard. Focus, s'il te plaît. Focus, voilà. Et là, c'est sa sieste, elle vient de se réveiller, cette petite choupette. Moi, j'ai tourné une vidéo. Un petit peu compliquée à tourner, mais ça va. Une vidéo. C'était un peu la semaine des vidéos compliquées pour tout le monde, apparemment. Et j'en parlais avec Laure qui a sorti une vidéo, elle aussi compliquée, bon pas sur le même sujet. Et on a discuté toutes les deux avant de publier nos vidéos. Et on s'est dit, c'est fou que c'est tombé la même semaine. Voilà. Et moi elle sera en ligne je pense vendredi. Maman, oui chérie. Je vais déchirer au Cocorico. Cocorico? D'accord, allez. On joue toutes les deux. Et donc là, l'anniversaire de Mona en fait c'est en fin de journée parce que Bibi et Sabine travaillent et qu'après elle part à Cannes avec Mona. Donc elle va le fêter mais elle fait pas une fête quoi, elle va juste la famille et puis les nous quoi je pense, c'est tout. On va manger le gâteau, Nico il a fini son gâteau, je vous montrerai après. Petite boubouille, elle s'est réveillée tôt, elle s'est réveillée tard je veux dire de la sieste. Elle s'est réveillée grognon. Là elle avait de la fièvre tout à l'heure quand on l'a mis au lit. Là elle a plus de fièvre. Je sais pas trop ce qu'elle a. Mais bon, tant que c'est fait juste un peu de température, c'est pas grave. Il refait ça. Il arrive pas.
je vais le mettre. Hop là. On va mettre ça au-dessus. Non, c'est moi qui le mets. Et toi, tu le poses là. Je le pose là. Je sais pas pourquoi elle a un chapeau, cet enfant est trop bizarre. Pourquoi faut le coco. Faut le chat. Tu fais un gros bisou à ta maman. Et là, tu fais un gros bisou à ta maman. Non. Comment ça non? Moi je veux te manger tout cru. Non. Arrête de me manger. J'arrête de te manger? Oui. Moi j'ai pas envie d'arrêter de te manger moi. Non, arrête de me manger s'il te plaît. Arrête de me manger. Mais j'aime trop les bébés moi. Arrête de me manger s'il te plaît maman. Attends, je suis occupée. T'es occupée là, pardon. Bon, Sako est arrivé. Il est déjà en train de jouer à la play. Bravo les mecs. Comme t'es trop belle. J'ai sorti des chaussures qu'on m'avait données. J'avais la cousine de Nicole qui m'avait donné un stock de chaussures. Et il y en a qui vont aller là maintenant. Du coup, j'ai mis ces petites chaussures qui brillent. Enfin, à vrai dire, j'ai plus de chaussures à sa taille. Donc, pourquoi t'as plus voilà. C'est joli comme ça, t'es belle mon amour. Elle a les cheveux mouillés mais ça va sécher. On va mettre un manteau. On va où là? On va où bébé? Mouna. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de Mouna. Ouais, t'es contente? Le bavoua de Wawa. Ah, tu mets son bavoua à Wawa, d'accord. Et sa jolie robe, elle, c'est la marque Name It. Elle m'avait envoyé comme elle est belle, j'adore. J'aimerais avoir la même, elle est trop belle. Ils sont trop trop beaux, ils viennent d'où? Les ballons? Carrefour. Carrefour? Trop beau. Ah ouais? Comment ça? Ah, ils sont phosphorescents. Ah ouais, ça se voit. Ah oui, oui, oui. Enfin, il faut être dans le nord, ça se voit là déjà. Ouais. Il y en a qui se battent, ils regardent. Trop beau. Et ça, c'est Tiger, ça? Les. Waouh! On va faire une night. C'est Tiger, les gobelets? Trop beau. Oh, bon. Oh 5 heures, j'avais pas vu. Trop beau. Tu vois les différentes couches. Ouais, je vois. Il y a quoi dedans alors? Pas de sucre et noisette. Comme ça. Banane entière. Crème au caramel. Chantilly maison. Bon, c'était cool l'anniversaire de Mona. Ça y est. C'était cool? Ça t'a plu? On brosse bien les dents parce qu'on a mangé du gâteau et il faut bien enlever tout ce sucre. Hein. Donc Ella est prête pour aller au lit. Ça s'est bien passé, troisième sortie sans couche. Et je crois que c'est bon, hein. Officiel. Elle a demandé plusieurs fois aller aux toilettes. J'ai hésité à prendre le pot à un moment donné pour ce qu'il y en a qui emmènent le pot avec eux. Je lui ai posé la question, je lui ai dit que tu veux qu'on emmène le pot ou tu préfères aller aux toilettes chez Parrain et Sabine. Elle m'a dit je vais aller aux toilettes. Donc. Alors moi je pose toujours la question en fait, je lui demande ce qu'elle préfère. Comme ça au moins il n'y a pas de soucis. Et trop bien, elle a demandé. Viens ici, viens ici. Pourquoi? C'est là-bas qu'on se rince la bouche. Allez. T'es prête à aller au dodo? Qu'est-ce qu'elle a eu Mona alors? Qu'est-ce qu'on lui a offert comme cadeau Mona? Pour son anniversaire nous? Un chien. Ah oui, elle a eu un petit chien qui marche. Mais nous on lui a offert quoi nous?
On lui a offert, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, on lui a offert une cuisine en bois. Donc c'est pour aller un peu plus grand. Et là, elle avait eu vers 18 mois sa cuisine. Ouais, 18 mois pour Noël l'année dernière. Ça y est, tout fini. Allez, attends, on va te repasser un petit coup sur les dents encore. Et je lui ai pris la cuisine en bois de chez Jeannot. Jeannot. Qui est très jolie, qui est rose pâle. Enfin, j'ai trouvé à King jouer, elle est très jolie. C'est très bien dans sa chambre, elle était contente, Sabine. Mona, pour l'instant, voilà, elle va bientôt marcher. Hein. Je pense qu'elle va marcher un peu comme Ella vers 13 mois. Parce qu'elle est plus très loin. Hein. Et du coup, bah, d'ici quelques mois, enfin, dès qu'elle marchera, après elle va commencer à jouer avec. Bon, c'est, je vais me mettre au lit. Il n'est pas tard, hein. Il doit être 22h30, ça va. Franchement, on n'est pas resté tard parce que là c'était un anniversaire de Mona. Du coup, c'était vraiment. C'était pas une fête d'anniversaire avec des enfants et tout, mais il y avait que Ella en fait comme enfant avec Mona. Et c'était avec la famille Sabine et Bib, nous, nos amis, voilà. Proches quoi, enfin. Petit comité. Donc tout le monde bosse demain, donc voilà, clairement on n'a pas veillé. Puis surtout que les petites Mona, ils l'ont couché à 21h et que Ella commençait vraiment à être fatiguée. Elle a encore de la fièvre là ce soir. Vraiment pas beaucoup, hein. Elle doit avoir 38 je pense. Donc considère qu'ils ont de la fièvre à partir de 38, elle doit être à 38, mais je le sens en fait. Je sais direct quand elle a de la fièvre, je connais sa température. Enfin en tant que mère, je crois que voilà. On le sait en fait. Moi le matin, rien qu'en la touchant, je peux dire si elle a de la fièvre ou pas. Et quand je prends la température, bah, je me loupe jamais. C'est... Même si elle en a tout petit peu, bah, c'est pas sa température normale. Bref. Là je vais me mettre au lit, je vais me mettre Netflix sur l'iPad. Ou peut-être sur le... Je sais pas si ça va marcher sur la télé là. Tout à l'heure ça marchait pas. Le Chromecast et Netflix, ça a révolutionné mon début 2018. Hein, franchement... C'est la découverte. Chromecast, vous savez, c'est faire glisser les... Tout ce qu'il y a. Ben, nous, on a une télé connectée, donc on l'a déjà intégrée dans la télé. Mais là, par exemple, on a le Chromecast de Google sur celle-là, parce que c'est pas une télé connectée dans la chambre. Et je peux faire glisser toutes les vidéos YouTube de mon téléphone, Netflix, tout ce que je veux, je peux le faire glisser sur la télé, en fait. Et ça, c'est quand même pratique. Bref. Je vais regarder un peu Orange is the New Black... Et j'ai bien avancé, je crois que je suis à l'épisode 11 de la saison 1. Donc ça va, franchement, j'avance bien. Nico, il a pas trop accroché, mais je crois que c'est un peu plus un truc pour les filles que pour les mecs. Enfin, dites-moi, mais... Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des séries à me conseiller en commentaire, parce que du coup, vu que je reprends un peu les séries cette année, ce serait cool que j'en découvre des nouvelles. Et je me rends compte en montant ce vlog que je n'ai pas clôturé hier. Je vous ai laissé, j'étais dans mon lit, j'ai regardé ma série et je suis allée me coucher. Je me suis couchée à minuit donc ça va. Je recommence à me coucher de plus en plus tôt. Bon, même si minuit n'est pas tôt, mais c'est plus 1h30, c'est plus 1h, là c'est minuit donc c'est déjà bien. Donc voilà, même pas minuit, je crois minuit moins quart, ouais. Et donc je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nico et je vous dis à demain dans un nouveau vlog, ciao !